En tout cas, bon coup franc pour le Paris Saint-Germain sur cette petite erreur d'inattention quand même, hein, côté Lensois. Entre Eric Sikora et Rail, ça donne un coup franc pour Bruno Ngoti, bien sûr. Petit ballon va lui donner son capitaine. Là, il faut se protéger parce que ça va partir très fort. Oui. Voilà la frappe d'Ngoti et l'ouverture du score pour le Paris Saint-Germain. Grâce à Bruno Ngoti qui marque là son deuxième coup franc de la saison en championnat après celui réussi face à Rennes. C'était lors de la cinquième journée. Un petit peu bizarre quand même. Je suis en train de regarder pour voir où le ballon passe. Le ballon passe à l'extérieur du mur, donc il passe entre le mur et Varmouz. Peut-être un petit pas en avant de Varmouz qui lui empêche de voir le départ de l'action. Et là, au dernier moment, eh bien, il est battu par cette très belle frappe de Bruno Ngoti. En tout cas, les Lensois doivent accélérer un petit peu le rythme, aller un petit peu plus au bout de leurs intentions pour revenir à la hauteur du Paris Saint-Germain ce soir. Ngoti vers Marco Simone, ouais, qui a embarqué Manier. Simone qui va pouvoir centrer, deuxième poteau. Il y avait Rail, Fournier qui va contrôler cette balle, centrer, Rail et le but. Talonnade de Rail. Et le Paris Saint-Germain, une minute après le retour des vestiaires, contredit complètement les intentions, les paroles de Stéphane Ziani et contrecarre les intentions lensoises. Rail marque le deuxième but, le PSG mène 2-0. Oui, mais il faut noter la grosse faute de marquage de la part des défenseurs lensois parce qu'on a vu Foué sortir sur Fournier. Regardez, Foué va au marquage sur Fournier et personne, absolument personne, ne s'occupe de Rail. Se recroqueville devant son but. Et là, Rail est absolument seul de marquage. Il y a en plus un joli geste technique, ça on ne peut pas le nier. Très très beau geste technique, cette talonnade de Rail, magnifique. Vraiment un très grand joueur. Mais quand même, grosse faute de marquage de la part des Lensois. C'est le septième but cette saison en championnat pour Rail.